Trois jours, cinq faits de terrorisme majeurs en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le paradoxe, c'est que pendant que le monde a les yeux fixés sur la Syrie et sur l'Irak, le terrorisme progresse en Afrique. En Égypte, nous avons, je l'ai dit, le groupe Wilayat Sinaï, qui a juré allégeance à l'État islamique. En Libye, la ville de Darna est tombée aux mains d'une organisation formée par d'anciens combattants libyens en Syrie, qui étaient revenus il y a quelques mois dans le pays. Et aujourd'hui, Darna se présente comme étant une province de l'État islamique du calife autoproclamé al-Baghdadi. En Tunisie, nous avons un salafisme qui, on l'a vu entre autres le 27 novembre, reste actif même si le gouvernement fait le maximum pour lutter contre lui et pour le détruire. Mais aujourd'hui, les choses s'aggravent. Pourquoi s'aggravent-elles ? D'abord parce que Al-Qaïda est en perte de vitesse. Ça a créé un vide. Ce vide, la nature, vous le savez, horreur du vide, ce vide a été comblé et est en train d'être comblé par l'ISIS, par l'État islamique. Pourquoi ? Parce que l'État islamique pratique un recrutement beaucoup plus large. Il n'y a pas de recherche de pureté idéologique dans le recrutement que pratique l'État islamique aujourd'hui. Ce positionnement dans le recrutement lui a permis d'attirer à peu près 15 000 volontaires étrangers, 2 500 à 3 000 occidentaux, 2 500 tunisiens, environ 4 000 marocains et des milliers d'autres venus d'autres pays. 15 000 volontaires étrangers arrivés sur le terrain syro-irakien auprès de l'État islamique, c'est beaucoup, beaucoup plus que le cumul de l'ensemble des volontaires étrangers sur l'ensemble des terrains de djihad au cours des 20 dernières années. Ça montre quelle est la force d'attraction de l'État islamique. Of course, none of us wants to be associated with terrorism. But the fact remains that as long as there is bad governance, as long as there is poverty, as long as there is intolerance, there will be terrorists. C'est le mandat des Nations Unies. Nos forces sont cantonnées. Kidal, c'est une aberration du siècle. Je ne comprends pas comment on peut non seulement bouter hors les narcotrafiquants et on donne une enclave à des terroristes, à des narcotrafiquants, où les forces loyales nationales ou des Nations Unies sont cantonnées et ne peuvent pas sortir d'un mètre et on laisse les narcotrafiquants et les terroristes circuler armes à la main et ils sont en train de canarder les forces des Nations Unies. Je ne comprends pas, il y a une aberration et c'est à nous de régler cette aberration, Monsieur le Président. Quelles sont les causes? La mauvaise gouvernance, la pauvreté, la marginalisation, la mauvaise répartition des ressources, etc. Et comment ils recrutent? Ils recrutent surtout les jeunes qui sont attirés par le mirage de la propagande, l'idéologie, la pauvreté, sous un habillage islamique. Et je tiens ici à faire une mise au point. Le terrorisme est loin de l'islam et l'islam, contrairement à certains idéologues, en Occident en particulier, n'a rien à voir avec le terrorisme. Le temps n'est pas aux paroles, mais aux actes. Il faut tacler et éradiquer les terroristes hors du continent. Pour cela, l'Afrique doit fédérer la lutte et compter sur la participation de la communauté internationale, en particulier les États membres de l'Union européenne, en vue de détruire définitivement ces stocks des armes et rompre les sources de financement de ces terroristes. Je pense que la communauté internationale ne peut pas comme ça rester passive, utiliser simplement les discours diplomatiques, ça ne suffit pas. Il faut à un moment donné que ces groupes de barbares, parce que c'est de ça qu'il s'agit, soient contraints par la force, si c'est nécessaire. Je pense qu'il faut aider aussi les pays africains, parce que pour le moment ça se développe fort en Afrique, nous devons aider les pays africains à se doter de moyens pour combattre ces groupes terroristes qui sont quand même de plus en plus nombreux, qui commettent des actes absolument ignobles, qui sont des négations même de l'humanité, et donc on ne peut pas laisser ça comme ça. Les Africains ne peuvent pas faire ça seuls. Le terrorisme, c'est un défi, pas seulement pour l'Afrique, c'est un défi pour nous. The containment of arms, because terrorists require arms in order to carry out their terrorist activities. They cannot operate without arms. So as I said then, the source of the arms must be a major area of concern by European countries. Yes, we know that there are third parties who are involved, but we have to start at the beginning, where they are manufactured and the chain through which they travel to reach to the arms
in the hands of these terrorist operators.